On va se poser là, hein. On est bien. On est bien. Allez, c'est parti. Alors, ce tuto s'adressant à des débutants, j'essaie juste d'expliquer comment ça fonctionne, cet instrument. Donc l'instrument, sous bassophone, on a la mécanique qui est ici. La mécanique, on a trois pistons qui sont là. Premier, deuxième, troisième. Les pistons, en fait, sont soit appuyés, soit pas appuyés. Il n'y a pas de demi-position. Et en fonction des pistons qu'on va appuyer ou libérer, on va pouvoir faire des notes. Donc, avec un instrument de ce type-là, on doit pouvoir faire 2 à 3 octaves, 3,5 je crois même. Mais le but, c'est aujourd'hui, ça va être d'utiliser uniquement 5 notes. Et on se rend bien compte que pour faire 3 octaves et demi, avec 3 pistons, il va falloir utiliser parfois les mêmes doigtés pour faire des notes différentes. Et c'est là où ça se joue au niveau de la colonne d'air, d'une part, et au niveau de la pression qu'on met dans la bouche, ici, pour aller poser le son, ici, au niveau de l'embouchure. Donc on a l'embouchure là, on se rapproche, et on peut poser le son en gonflant légèrement les joues et en envoyant la pression et l'air à l'intérieur de l'embouchure. Par exemple, donc sur le sous-bas, le son il sort ici, l'embouchure est ici, et on a nos trois pistons qu'on peut donc utiliser et actionner pour avoir les différents sons. Voilà le principe de base, on va pouvoir démarrer. Pour commencer, en fait, on va partir sur un morceau basique, c'est Owen the Saints, que je pense tout le monde connaît, ça fait parapapam, pararapam, parararararararam, et ainsi de suite. Donc je vais d'abord le jouer pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Ensuite, on va regarder deux petits exercices au niveau du sous-bassophone, deux techniques pour faire bouger un petit peu les cinq notes. Une fois qu'on a fait ça, on va basculer sur de la rythmique. La rythmique, c'est simplement prendre les 16 mesures, parce qu'il y a 16 mesures et 6 phrases, et les taper dans les mains. Et après, les 6 phrases, on les détaille à un tempo tout tranquille et on se les approprie pour pouvoir jouer le morceau en entier. Alors, donc pour continuer, je vous propose de faire deux petits exercices sur le sous-bassophone. Deux exercices basiques. Il y a cinq notes dans le morceau When the Saints. On part sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, les cinq notes, on va les jouer avec le sous-bassophone pendant qu'on va faire un gros plan sur les trois pistons pour que vous ayez la bonne position des doigts pour chacune des notes. Le sous-bassophone que j'utilise est un sous-bassophone en si bémol. Donc, attention, si vous voulez la même note avec le même doigté, avec un instrument que vous avez dans la main, il faut que l'instrument que vous ayez dans la main soit en si bémol également. Ça peut être un sous-bas, ça peut être un tuba, ça peut être une trompette, mais il faut qu'il soit en si bémol. Et après, pour essayer de gérer un petit peu les intervalles qu'on va devoir gérer dans le morceau, on va faire un Do, on va monter au Ré, on va revenir sur le Do, on va monter sur le Mi, on va revenir sur le Do, on va monter sur le Fa, on va revenir sur le Do et on va monter sur le Sol. Ça s'appelle une note pivot. Donc d'abord, je prends la note du dessous, le Do, et après, je prends la note du dessus, le Sol.
redémarrer sur le rythme. Pour caler le rythme, moi je vais vous proposer un petit exercice basique, c'est de le taper dans les mains. Donc je démarre, je donne la pulsation. 1, 2. Alors maintenant on va passer à la quatrième partie là, de ce tuto. Je découpe en fait le morceau en 6 phrases. Chaque phrase, je le joue tranquillement au sous-bassophone. Voilà pour l'exercice, on va le jouer une petite dernière fois complet et on aura fini le premier tuto sous bassophone débutant Owen the Saints, Gomar Channing. Merci, à bientôt.